J'ai rencontré la mère de ce jeune homme. Elle m'a dit qu'il écrivait aussi des poèmes. Après Blériot, Henri Fabre et son hydro-aéroplane, il y aura Auguste Sorel. Tu parles d'Auguste Sorel ? Ce garçon est fou, il a failli se tuer. Dis-moi, tu as déjà été amoureuse ? Non, non. Notre Marie-Rose est une rêveuse. Cette source d'eau vive, elle doit certainement jaillir des entrailles de la Croix dans un paysage de verdure, de roc et de lumière. C'est vraiment très beau. Il faut que je la voie. Dites-moi, Eugène, cette source, elle existe vraiment ? Mais elle existe, ma Rosette. Alors, dimanche, nous avons rendez-vous avec un miracle que seule la nature peut produire. Tu as l'air de te retourner ? Mais qu'est-ce que t'as vu ? As-tu déjà eu une hallucination, Victor ? Un mirage façonné par le vent et ciselé par le soleil. Ça s'appelle un coup de foudre, mon béo. Tu vois ? Il n'est pas besoin de monter très haut pour voir toutes les beautés de la Terre. C'est magique. Marie-Rose, j'ai su, dès notre premier regard, que tu serais ma muse. Chère petite source, tu m'es prédestinée.